Elon Musk relance la guerre de l'intelligence artificielle. Son nouveau modèle, Grok 3, est annoncé comme plus puissant que ChatGPT et Gemini. Mais est-ce une révolution ou juste du marketing? Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir que tout n'est pas si simple. Allez, c'est parti! Grok 3, c'est la toute dernière version du chatbot de XAI, l'entreprise d'Elon Musk. Et Musk n'a pas fait les choses à moitié. 200 000 GPU ont été utilisés pour entraîner cette IA avec 10 fois plus de puissance de calcul que Grok 2. Selon XAI, Grok 3 dépasse GPT 4o sur plusieurs benchmarks, notamment en mathématiques et en sciences. Il propose aussi une nouvelle fonctionnalité appelée Deep Search, censée analyser le web et fournir des résumés précis. Il y a même un mode Big Brain qui permet à l'IA de réfléchir plus longtemps avant de répondre. Sur le papier, Grok 3 semble impressionnant, mais attention, il y a quelques nuances, tout n'est pas encore disponible. Certaines fonctionnalités sont encore en bêta et le modèle n'est pas encore accessible en open source. L'accès est très limité. Seuls les abonnés premium plus de la plateforme X, $50 par mois, peuvent tester Grok 3 aujourd'hui. Et Super Grok, qui débloque des fonctionnalités avancées, coûterait $30 par mois ou $300 par an. Grok 3 Reasoning, un modèle spécifique pour le raisonnement, est censé surpasser les IA concurrentes, mais on manque encore de tests indépendants pour le prouver. Musk affirme que Grok est une IA maximalement chercheuse de vérité, quitte à aller à l'encontre du politiquement correct. Mais il y a une grosse controverse. Certains accusent Grok d'être influencé politiquement, comme ChatGPT avant lui, et Musk promet une IA plus neutre. Mais ça reste à vérifier. De plus, il faudra attendre plusieurs mois avant que Grok 2 soit open source, et on ne sait pas encore quand Grok 3 sera accessible au grand public. Pensez-vous que Grok 3 peut vraiment rivaliser avec OpenAI et Google? Dites-moi en commentaire. Et vous, seriez-vous prêt à payer pour tester Grok 3? Véritable révolution ou coût commercial d'Elon Musk? Une chose est sûre, la guerre de l'IA ne fait que commencer. Alors n'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actu tech et IA. Ciao les amis!